ça ma première carrière. Et je trouve que la Slovénie c'est un très bon pays, beaucoup plus en matière de basketball. Bref, je suis à ma première expérience et je crois jouer beaucoup d'autres. Donc, je compte peut-être aller ailleurs, mais... La Slovénie, c'est mon premier pays. C'est l'une de mes premiers pas. Non. This is not bad. This is not good. La Slovénie, comment dirais-je, est le pays qui m'ouvre la porte en matière de basketball. Et c'est ma première expérience. Avant de venir en Europe, je ne connaissais aucun joueur slovène ou européen. Et comme je disais tantôt, je suis à ma première expérience. Ça n'a pas été facile de quitter de mon pays. Parce que premièrement, la famille, les amis, c'était pas facile de la laisser. Et bref, j'ai fait un choix. Et mon choix, c'est la balle orange. Donc et je sais qu'ils m'ont toujours soutenu. Donc ça va, c'est pas facile, mais je crois que tout est clair à ce niveau. La première chose qui m'a marqué quand je suis arrivé ici, c'était beaucoup plus les joueurs de la première équipe de Olympia. Je me voyais à leur place, quoi. Je rêvais d'être comme eux. Et c'était très beau que le stade, les joueurs, pour moi c'était très cool, quoi. Pour l'instant, je parle trois langues. La première qui est le français, la deuxième qui est l'anglais. La troisième qui est le Yambassa, qui est ma langue vernaculaire. Je connais beaucoup plus des putains de mots slovènes comme des mots qui font tellement rire. Ils ont des premiers mots que l'on apprend quand on arrive dans un pays étranger. Mais à ma connaissance, je trouve que la langue serbe est plus mieux que la langue slovène, parce qu'elle est plus facile à parler et entendre, et je préfère la langue serbe. Ce qui m'a beaucoup marqué en soulevant, il y a les mots comme pizda qui veut dire merde, comme adieu qui veut dire bye ou au revoir.
Ou on se voit, quelque chose comme ça. Bref, c'est une langue qui me plaît et je crois que je vais la parler bientôt. Puisque j'ai repris avec les classes, donc je vais la parler bientôt. La souvenir, pour moi, c'est un bon pays. Beaucoup plus... premièrement, ils sont pas racistes. Et ils aiment beaucoup plus les étrangers. Quand tu es étranger, tu es plus qu'une star. Et c'est un pays pas comme les autres, pas comme la Serbie ou la Russie. Donc je trouve que la Slovénie, pour moi, c'est une bonne place, quoi. La seule chose que je déteste en Europe ou en Slovénie, c'est le froid, la neige en général. Mais à part ça, je me sens bien, je me sens chez moi. Bref, c'est cool ça. Chelier. Maribor, Kofia Loka, Kran, Ljubljana. J'ai entendu parler du président de la République de Slovénie. J'ai entendu parler que c'est un bon type. Bon, c'est vrai que je connais pas son nom, mais on m'a dit qu'il est très bon. La Slovénie contient 2 millions d'habitants. La Slovénie, le peuple slovène et le peuple et les Africains en général, premièrement, nous n'avons pas la même mentalité que les Européens. Nous avons, comment dirais-je, nous avons la vision des choses. Et ils ont la vision des choses, donc par moment, l'Africain s'en fout carrément de ce que les autres font, de comment les autres vivent. Mais ici, j'ai constaté que c'est vrai que chacun est dans sa place, mais quand tu essaies de côtoyer un Européen, il s'intéresse beaucoup, beaucoup à toi. Et il t'apprécie. La nourriture préférée de la Slovénie, je ne la maîtrise pas très bien. Mais j'ai entendu parler de celle de la Serbie, qu'on appelle le tchibapi. C'est vraiment circulant. C'est très bon, quoi. C'est très bon. J'adore. Je m'intéresse pas beaucoup plus aux musiciens slovènes parce que c'est une langue que je comprends pas. Et vraiment ça m'intéresse pas. Je préfère suivre la musique américaine, la musique française aussi. Et c'est tout. Si j'ai un ami ou un frère qui me visite un jour, qui voudra visiter la ville, premièrement, je l'amènerai au centre de la capitale. Et après le centre, on visitera, ils ont l'un des très beaux musées.
de temps d'ancien, et après on ira visiter l'une des villes la plus belle quoi, de la ville du pays qu'on appelle Port-au-Roche. Ce qui m'a beaucoup marqué, ça a été mon mal de genou. Pourquoi? Parce que la première fois que je suis arrivé à Olympia, c'était mon premier entraînement et où je me suis fait mal. Oui, il fallait automatiquement m'opérer. Et c'est vrai que j'avais peur, j'avais tellement peur parce que je croyais que j'allais mourir. Mais on m'a rassuré que tout allait bien parce que c'était la première fois que je ressens ce genre de truc. Et Dieu merci, tout s'est bien passé. Et je crois que je n'aurais plus ce genre de bobo. Je connais beaucoup de Camerounais qui vivent ici. C'est vrai que on se voit pas tellement. Et c'est vrai que nous avons des jobs très différents. Mais parfois, quand on se rencontre, on passe du bon temps, on s'amuse. On s'amuse et c'est vraiment cool quoi. Donc, bref, chacun vit sa vie pour l'instant comme il peut. Afia, pour moi, c'est le meilleur nom que j'ai reçu de mon grand-père. Et je préfère, quand on m'appelle Afia, je sais pas, François, c'est romantique, c'est cool, mais je fais beaucoup plus Afia parce que ça me fait penser à mon grand-père. Et mes coéquipiers, ils m'appellent Mafia, d'autres m'appellent Af, et je trouve ça très cool, quoi. C'est génial, quoi, c'est génial. Je vis avec mon coéquipier qu'on appelle Nek Bouda, qui est un très bon gars. Pour moi, c'est un frère, quoi. C'est un frère. C'est quelqu'un qui s'occupe très bien de moi. C'est quelqu'un qui s'occupe de moi et vraiment, je l'aime. Je le kiffe, quoi. Ma famille me manque, mes amis me manquent, les bons plats du pays me manquent. Mais c'est comme je disais tantôt, j'ai fait un choix et c'est mon job. Donc, le reste, on verra. C'est la vie et ça continue comme ça. Nous avons des congés et nous avons toujours un mois de congé, mais je n'ai pas encore trouvé le temps quoi, pour me rendre à la maison, pour revoir les miens. Mais je crois que je crois que c'est un truc que je vais faire bientôt. Premièrement, mon famille me manque et je crois qu'on se verra bientôt. La différence qu'il y a entre l'Europe et l'Afrique, c'est que l'Afrique, les Africains en général sont pauvres. En Europe, les gens ont de quoi manger. Par rapport au basketball, je crois que au Cameroun et la Slovénie, c'est le jour et la nuit. C'est un truc incomparable. Donc, en ne pouvant pas le comparer.
pour le moment, le championnat camerounais, c'est de la merde. Et pour moi, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. La star mondialement connue du Cameroun, partout où tu te trouves dans le monde, c'est Samuel Eto'o. C'est le seul, quoi. C'est vrai qu'ils sont nombreux, mais Samuel Eto'o, c'est le numéro un. Premièrement, le Cameroun est producteur de beaucoup de choses comme le pétrole, l'essence, la culture. La Slovénie n'est producteur de rien. Tout ce qu'ils consomment, ça vient de l'extérieur. Et par rapport à l'économie, le Cameroun l'économie camerounaise est plus acceptable, plus mieux que celle de la Slovénie. Mais c'est vrai qu'au Cameroun, on retrouve beaucoup plus la corruption. Mais c'est pas mon truc, quoi. L'euro et le franc CFA, c'est incomparable avec un euro. Ça fait un plat de nourriture au Cameroun et ça fait aussi une ration pour une famille de peut-être de 3 personnes. Donc l'euro et le franc CFA. J'obtiens un cadeau très cher venant d'un Slovène. Premièrement, je pourrais accepter s'il est mon meilleur ami et si je le connais parfaitement. Donc, j'accepterai. C'est vrai qu'il y a des bons joueurs ici, mais je suis jamais allé au stade. Et pour faire des clubs comme le FC Barcelone, Manchester City et bien d'autres. Mais je crois que le football en Slovénie, c'est pas mon truc. Les filles slovènes, elles sont folles, elles sont bêtes. C'est vrai que quand on est noir, on a beaucoup plus d'avantages parce que c'est une peau qu'on a toujours aimée dans le monde. Et c'est une peau qui ne passe jamais inaperçue. Donc, parfois j'ai de la peine quand je me rends quelque part. Mais ce sont des filles que j'aime. Elles sont très belles et on sait comment les manipuler. Premièrement, je tiens à remercier ceux qui m'ont permis de me retrouver à ce niveau. Dragan Janić qui m'a aidé à me sentir joueur de basket. Tomo Tchek qui est mon manager qui m'a donné beaucoup de souris. Et, premièrement, la balle orange, c'est ma vie. Je ferai l'effort de donner
de donner le meilleur de moi. Toujours de donner de donner le meilleur de moi. Et j'aime les gens qui m'aiment. Et je ferai tout pour rester le même. Et je vous aime, quoi.